Anaïs Pronovost-Morgan gère l'organisme Dignité menstruelle. Leur mission? S'attaquer à la précarité et l'éducation menstruelle. La précarité menstruelle, c'est un problème double. C'est pas juste un enjeu d'avoir les produits disponibles et accessibles. C'est aussi d'offrir une éducation menstruelle qui est souvent manquante puis qui contribue à la honte menstruelle. Elle croit que si tout le monde comprenait les défis auxquels font face certaines femmes, elles seraient moins stigmatisées. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo. En Espagne, on veut s'attaquer à ce problème. Le gouvernement vient de déposer un avant-projet de loi qui comprend un congé de maladie payé pour les douleurs menstruelles invalidantes. Somos el primer país de Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes. Fait que ça, c'est comme aussi... Anaïs trouve l'idée excellente, surtout pour assurer l'équité entre les personnes qui menstruent et les autres, mais croit que l'instauration de ce genre de mesures doit venir avec un suivi rigoureux. L'important avec ces mesures-là, c'est qu'on les instaure, puis ensuite qu'on étudie ses impacts pour qu'on puisse ajuster le tir selon les problèmes là, qui en ressortent. Selon la docteure Diane Francoeur, c'est aussi une excellente nouvelle, car beaucoup de femmes sont touchées. On peut aller jusqu'à 20 % de la population sont vraiment très, très, très incapacités. Et c'est clair qu'on ne peut pas travailler quand on souffre comme ça. Et c'est clair qu'on ne devrait pas travailler non plus lorsqu'on est aussi souffrant. Des mesures similaires existent déjà dans certains pays d'Asie, comme le Japon, la Corée du Sud ou l'Indonésie. Mais attention, disent certains, ces mesures peuvent mener à la discrimination des femmes, à l'embauche et au cours de leur carrière. Ici Elisa Serret, Radio-Canada, Montréal.